Le documentaire de votre région, c'est à 8h50 sur France 3. Sans rien chercher, je trouve. Vous êtes bien sur France 3. Mal de gorge peu intense et sensuel. Ah, l'isopaïne. Grâce à son action sur certaines bactéries, l'isopaïne transforme les... Ah, en... Ah, médicaments pas avant 6 ans. Aïe. Et pour soulager le mal de gorge aigu, l'isopaïne ambroxol en spray. Médicaments pas avant 12 ans. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques à Viva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. J'ai appelé le 0800 450 450. La couverture est immédiate, sans examen médical. Et le capital est envoyé sous 48 heures. Sous 48 heures? Oui, ils ont même prévu une assistance pour les proches. Ah, Martine! Je reviens! Appelez vite à Viva au 0800 450 450 pour recevoir une documentation gratuite et ce magnifique cadeau. 0800 450 450. Allô, Aviva ? Ça n'est jamais agréable quand l'eau a du mal à s'écouler. Ça veut dire qu'un bouchon est en train de se former. Desktop Turbo, sa formule ultra concentrée traverse l'eau stagnante et élimine le bouchon en 5 minutes chrono. N'attendez pas, Desktop Turbo. Et chez vous, visiblement, il y a zéro bactérie. En revanche, dans vos tuyaux, ce n'est pas la même ambiance. Desktop Entretien Javel, c'est un gel épais qui s'infiltre en profondeur pour laisser vos tuyaux propres et désinfectés. Desktop Entretien Javel. Aujourd'hui, une dépression polaire envahit notre pays. On grelotte à l'ouest, on grelotte à l'est et on frissonne partout ailleurs. Eh bien, elle est bien froide cette carte. Elle te ferait pleurer une cigale. Eh les copains, vous auriez pu forcer un peu sur le jaune, vous allez me le déprimer là. La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Nouveau format, 50 centilitres. Maintenant, le sud existe aussi à emporter. Vous savez pourquoi on mincit avec Comme J'aime? Parce que c'est super simple. Moi, j'ai perdu 15 kilos et en plus, tout est livré à domicile. J'aime pas cuisiner et avec Comme J'aime, il n'y a rien à préparer. Une diététicienne m'a accompagnée par téléphone et ça, ça m'a vraiment aidée. Comme J'aime, c'est un programme ultra complet et vraiment très simple à suivre. En plus, vous pouvez tester une semaine sans payer. Contactez-nous au 0800 03 03 03 car vous pouvez tester une semaine sans payer. 0800 03 03 03. Comme J'aime, souriez à la vie. Chez Intermarché, nous sommes producteurs, commerçants. Nous fabriquons nos couches pommettes, nous-mêmes en France. Et comme plus de 3000 crèches les utilisent déjà, vous pouvez être sûr de leur qualité et du prix. Découvrez tous les produits de la gamme et profitez tous les jours de 10% en avantage carte. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour moi, la base d'une relation épanouie, c'est de partager des passions et des valeurs communes. C'est pourquoi j'ai choisi Élite Rencontre. Élite Rencontre, en amour aussi, soyez ambitieux. Et voici Monsieur Skoula. Il va vous faire découvrir son univers fait de jeux éducatifs en ligne basés sur le programme scolaire de la maternelle au CM2. Oui, oui, toutes les matières et toutes les classes. Skoula est utilisable partout, à la maison, sur la route, en voiture, et chacun a sa raison de s'inscrire, en soutien scolaire ou pour s'amuser, seul ou en groupe, tout en apprenant. Chaque semaine, Monsieur Skoula envoie un email aux parents, de quoi suivre les progrès de chaque enfant. Skoula, des sourires et des résultats. Pour essayer Skoula gratuitement, rendez-vous sur skoula.fr. Êtes-vous sûr d'avoir la meilleure assurance auto? Avec lelynx.fr, comparez de nombreux assureurs et trouvez le contrat au meilleur prix, adapté à vos besoins. Et voilà, en fait c'est simple de changer d'assurance. Lelynx.fr, comparateur d'assurance. Malinx, Lelynx. Constipation occasionnelle? Dulcolax, le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement en moins de 30 minutes. Le soir Dulcolax, le matin relax. Médicaments réservés à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Vous pouvez maintenant préparer une délicieuse tasse de thé ou d'infusion avec votre machine à espresso grâce aux capsules Lipton. Chaque capsule contient une recette unique pour une tasse au goût parfumé et intense, simplement préparée avec votre machine. Profitez de l'intensité Lipton en capsule avec votre machine. Lipton, be malty. Vendredi sur France 3, hommage à Michel Morgan, portrait inédit. T'as de beaux yeux, tu sais. Les plus grands ont plongé leur regard dans le sien. Embrassez-moi. Elle a incarné la pureté, l'innocence et le mystère. Un coup de foudre, un coup de bambou, d'amour, quoi. Je m'en souviens de ce jour-là. Sa présence magnétique a fasciné le monde entier. Je n'étais pas du tout comme vous venez de me voir.
J'étais tellement timide. Puis, à 22h30, dans Le chat et la souris, Michel Morgan n'a pas fini de vous surprendre. Soirée hommage à l'une des plus grandes dames du cinéma français. Vendredi dès 20h55, sur France 3. Bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne, ravie de passer ces 52 minutes en direct avec vous. Alors qu'est-ce qu'on vous a concocté aujourd'hui? Eh bien écoutez, des sciences, un cabinet de curiosité, des projets historiques en financement participatif, du sport et des pipelettes. C'est pas mal non pour un début. Alors dans le détail d'abord, ça va donner avec le neurologue Marc Vérin. Nous parlerons de la technique de stimulation cérébrale profonde pour améliorer le quotidien des malades atteints de la maladie de Parkinson. Ensuite, en partenariat avec Kengo, nous évoquerons deux projets historiques en financement participatif, l'un dans le Finistère et l'autre dans les Côtes d'Armor. Les porteurs de projets seront à nos côtés ce matin sur ce plateau. Nous parlerons aussi de sport avec notre coach Hugo Mamba qui va nous donner des conseils pour mettre en pratique la bonne résolution que bien entendu nous avons tous pris en ce début d'année, footing pour tout le monde. Et puis nous prendrons un ticket culturel pour le cabinet de curiosité du musée des Beaux-Arts de Rennes, des trésors insoupçonnés que nous présentera François Coulon, son conservateur. Sans oublier notre invité fil rouge, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle a des colères salutaires, c'est la journaliste rennaise Marie-Christine Biette que nous retrouverons tout à l'heure. Voilà, mais avant cela, je vous propose de faire un petit détour par la météo de ce mardi 10 janvier. Alors cet après-midi, de faibles averses concerneront la Bretagne Nord, mais les éclaircies fréquentes alterneront avec des nuages s'épaississant au fil des heures par l'ouest, accompagnées de quelques gouttes sous un vent d'ouest à nord-ouest assez fort en bord de mer. Les températures quant à elles afficheront 9 degrés à Rennes, 10 à Rostrenin, 11 à Port-Navalo et 12 à Landéda. Et voilà. Alors maintenant, on va retrouver tout de suite notre invité fil rouge. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Laurence. Ravie de vous recevoir. Merci à vous de m'accueillir. Comment ça va? Bah écoutez, fort bien. Fort bien. Fort bien. Alors vous êtes journaliste à Rennes, hein, ça c'est une chose, mais vous êtes aussi une militante, pas le genre à vous taire quand quelque chose vous énerve. Ah oui, oui. Et c'est comme ça que vous avez créé le carré VIP à la radio RCF pour prendre le contre-pied du jeunisme dans les magazines féminins. Vous nous raconterez l'histoire tout à l'heure. Mais avant cela, comme vous avez accepté le principe des petits papiers, je voudrais qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Alors si vous êtes prête à vous prêter au jeu, bien écoutez, je vous laisse tirer au sort un premier petit papier. Et... Pension. Pension. Alors, je vous raconte mes années de pension, c'est oui, ça c'est, oui, pas, oui. C'est pas la pension alimentaire qu'on m'a jamais versée, c'est pas ça. Non, c'est pas d'accord. Ça du tout. C'est vos années de pension, racontez-nous. Alors, la pension, je l'ai connue assez tôt, parce que, ayant grandi à la campagne et mes parents souhaitant que j'aie une éducation, une bonne école urbaine, m'ont envoyé en pension, j'avais 9 ans. Et ça a été un déchirement, parce que jusqu'alors... Vous êtes arrivé à Rennes, en fait. Ouais. J'ai grandi dans une petite école auprès de Vitré, enfin, un petit village auprès de Vitré, Louvigné-de-Baie. Et c'était une enfance privilégiée, dorée, une enfance un peu comme dans les contes de fées, avec des moutons, des vaches dans les champs autour, tout ça. Et puis les gamins qui vont tous à pied à l'école, qui se bagarrent. Enfin, vraiment une enfance de rêve comme ça à la campagne. Et puis évidemment, l'arrivée en ville, ça a été la rupture, parce que là, où j'arrivais d'un village où c'était une communauté qui est très, très soudée, très, très solidaire. J'arrive en ville où là, on souffre, enfin, on voit davantage les barrières se dresser. Mmh. Et puis surtout, quand on arrive de la campagne... Vous disiez bonjour aux gens dans la rue et ça surprenait? Oui, bah bien sûr. Oui, oui. Moi, la première fois que je sors de l'école pour une sortie que j'ai oubliée, moi, je disais bonjour à tous les gens que je croisais dans la ville. Alors, mes copines de classe me disent « Tu connais tout le monde ?» Bah, je dis « Non, je ne les connais pas. Mais pourquoi tu leur dis bonjour ?» Parce que je suis polie. C'est parce que ça se faisait. Donc comme c'était ça. Vraiment une autre attitude. Monde. Ouais, ouais, ouais. Et ça, la pension, ça a été un moment. Surtout parce que les bonnes sœurs aussi, c'était vraiment des êtres extra. Il y en a avec. Je garde un souvenir ému de sœur Saint-Jean-Eudes, qui était la prof de dessin. Mais mère Jean-Luc m'a énormément fait souffrir. Bon. Bah, écoutez, voilà, on n'en dira pas plus. Alors, vous pouvez tirer un deuxième petit papier. Ok. Architecture. Ah, vous êtes bien renseignée.
Oui. Alors, vous avez... L'architecture, c'est ma formation initiale. J'ai fait des études d'architecture. Donc, là, c'est pareil avec les motivations qui sont celles qu'on a quand on est jeune. Moi, avec mes parents, on était habitués à beaucoup sortir. Le dimanche, on allait visiter des châteaux, des musées, des églises, les cathédrales. Donc, je m'étais dit, l'architecture, ça doit être formidable comme métier. Donc, j'ai choisi de faire archi en pensant que je ferais un jour des cathédrales et des grands édifices comme ça. Mais non, ça n'a pas été le cas. Mais bon, ça a été des études passionnantes. J'ai fait l'école d'architecture de Rennes. Et ça m'a beaucoup ouvert la curiosité sur le monde, forcément, parce que l'architecture, il y a des exemples magnifiques dans toutes les cultures. J'ai eu envie de les découvrir, et ça m'a poussé à voyager. Et ce sont les voyages qui m'ont fait bifurquer de ma formation initiale vers le journalisme, en fait, ou vers la communication pour être plus large, et vers le journalisme aussi. Alors, un dernier petit papier ? Alors, un dernier... Oh, l'abbé Seigneur. Ah, quelle enquête vous avez menée, Laurence. Je dis bravo, l'abbé Seigneur. Alors ça me touche vraiment énormément. Alors, c'est pas du tout la sœur Jean-Hude, c'était ça ? Non. Ça aurait pu être ça. Ça n'a rien à voir. Quoi. Non, là, ça n'a rien à voir. C'est un autre genre. Ça n'a rien à voir. Mais alors, l'abbé Seigneur, c'est une merveille de bonté. Alors, dans ce village où j'ai grandi, à Louvigny, à l'époque, il y avait deux prêtres. Alors, il y avait le curé, le vicaire, on disait, je crois. Bon, il y avait l'abbé Seigneur. Et l'abbé Seigneur, ça s'écrit comme le Seigneur, notre Seigneur, évidemment, hein, pas avec un R. Et donc, cet abbé Seigneur, il avait à cœur de prendre en charge tout le monde. C'est lui qui m'a appris à jouer au piano. C'est lui qui organisait des colonies de vacances. Parce que la plupart, à ce moment-là, dans les années, au croisement des années 50-60, à la campagne, les jeunes ne partaient pas en vacances ailleurs. Même si on avait des vacances, on restait chez soi. On faisait les cons dans les champs, dans les fermes, tout ça. Mais on ne partait pas à l'extérieur. Donc lui, il organisait des vacances, soit dans les fermes de ses copains, du côté de Saint-Brice-en-Cogle, ou sur le terrain de foot d'un de ses copains curés à Cancale, parce qu'à l'époque, c'était souvent la paroisse qui gérait l'équipe de foot. Et donc, comme il avait fait la guerre d'Algérie et qu'il avait gardé bonnes relations au sein de l'armée, il avait des copains de l'armée qui prêtaient des grandes tentes militaires. Alors, il en empruntait deux. Il y avait une grande tente pour les garçons, une grande tente pour les filles. Il utilisait les camionnettes des gens, des entreprises du village, qui emmenaient qui dressaient les tentes soit dans une prairie auprès du château du Rocher Portail à Saint-Brice, ou et lui on allait se laver au robinet qui était pas loin. Et ça faisait les vacances. Et ça c'était les fabuleux. Vacances. Voilà. Et en plus ce curé-là, il vous parlait d'islam, incroyable. Absolument. Grande preuve d'ouverture. Moi, je peux raconter quand les homélies dominicales de ce prêtre, je m'en souviens de certaines avec une précision extrême. Et il était dans une démarche totalement écuménique, ayant vécu en Algérie. Il avait cette ouverture, cette bienveillance à l'égard de la culture arabo-musulmane qui m'a certainement touchée. Quoi. Marqué. Merci Marie-Christine, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors c'est maintenant le moment de parler d'innovation, mais dans le domaine de la santé, puisqu'on va recevoir Marc Vérin, qui est chef de service neurologie du CHU de Rennes. On le reçoit tout de suite. Bonjour Marc Vérin. Alors, avec vos équipes, vous avez développé une technique très particulière que vous allez nous faire découvrir ce matin. C'est la stimulation cérébrale profonde. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors, le principe, c'est une invention française. Ça fait une vingtaine d'années que ça a été inventé. Et qui consiste à corriger dans la profondeur du cerveau des zones qui sont hyperactives et qui bloquent le mouvement, en particulier dans le domaine de la maladie de Parkinson. Donc, c'est une technique extrêmement efficace et qui est inventée en France et qui s'est répandue en Europe et maintenant dans le monde entier. Très bien, alors je vous propose tout de suite qu'on découvre un petit peu en quoi consiste cette technique, puisque l'une de nos équipes avait suivi en 2012 une opération à cerveau ouvert au CHU de Rennes. C'est un reportage d'Hélène Pédèche et de Christophe Rousseau. On va en regarder un extrait tout de suite. Un peu plus d'une heure après le début de l'intervention, trois électrodes sont descendues dans le cerveau de Daniel. Le neurochirurgien Claire Guélène s'efface pour laisser place au docteur Paul Solo, neurophysiologiste, ainsi qu'à la neurologue, le docteur Sophie Drapier. Les électrodes sont reliées à cet ordinateur. Dans un premier temps, Paul Solo vérifie qu'elles sont correctement implantées en regardant et en écoutant l'activité des neurones, activité exagérée chez les parkinsoniens. C'est à la fois un signal électrique qui a une certaine signature visuelle et une certaine signature sonore. Et en fait, tout mon rôle, c'est de définir justement quelle est la signature. Et c'est beaucoup à l'oreille. Donc on écoute les neurones, effectivement.
Dans un second temps, Paul Solo et Sophie Drapier vont stimuler l'hémisphère droit du cerveau en envoyant dans chacune des trois électrodes une tension électrique de plus en plus forte, jusqu'à 4 volts, qui va alors court-circuiter le signal cérébral anormal à l'origine des symptômes. À chaque fois, il va pouvoir y avoir éventuellement des effets secondaires sous la forme de fourmillements à gauche. Vous allez pouvoir éventuellement ressentir aussi une crispation qui pourra apparaître soit au niveau de la bouche, soit au niveau de la main, soit au niveau de la dent, au point que quelquefois la bouche peut être vraiment attirée sur le côté gauche. Je vous demanderai régulièrement de parler pour voir si vous articulez bien, si on comprend bien ce que vous dites. Tout ça, il faut être bien rassuré, c'est transitoire. C'est-à-dire, dès qu'on arrête la stimulation, tous ces symptômes disparaissent. Donc, centrale, on est à plus 2. Plus 2, c'est ça? Plus 2, 0,5, 60 sur 30. Sur la centrale, vas-y, on. Et contractez bien la main. Là, j'ai des fourmillements. Où? À la main gauche. C'est passé? Oui. Alors, on le voit dans ce reportage, hein, Marc Vérin, on peut écouter les neurones, ça paraît dingue. Oui, tout à fait. C'est une technique qui nécessite, il y a trois techniques ensemble qui permettent d'arriver au bon endroit, parce que c'est une petite zone de 4 mm qui est à 8 cm de profondeur. Donc, il ne faut pas se louper, quoi. Oui, absolument. Donc, ultra il y a la radiologie, précis. L'IRM, en trois dimensions. Il y a l'enregistrement des neurones. Cette zone est hyperactive et on peut la repérer, comme on l'a vu avec mon collègue, le professeur Solo. Et puis ensuite, dernière technique, c'est la clinique avec le docteur Drapier que vous avez vu là, et qui est en train d'améliorer les symptômes en direct. Voilà. Et les trois ensemble font qu'on pose l'électrode au bon endroit et qu'on n'aura que des effets bénéfiques et pas d'effets secondaires. C'est l'idée. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on voit que le patient est complètement acteur de son opération dans ce type d'intervention. Tout à fait. C'est un point majeur parce que ces zones profondes du cerveau qu'on pensait n'être que motrices, en fait, ont aussi un rôle majeur sur le plan cognitif, les fonctions supérieures, comme on dit, la pensée, l'attention, et puis les émotions et la motivation. Donc, si vous posez les électrodes au mauvais endroit, eh bien, vous pouvez, à un millimètre près, même parfois inframillimétrique, vous pouvez avoir des effets secondaires qui sont difficilement tolérables sur le plan émotionnel, motivationnel ou autre. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices pour les patients atteints de la maladie de Parkinson? On voit ils vont récupérer une qualité de vie, certainement. Absolument. Ce qui dysfonctionne dans la maladie de Parkinson, c'est que tous ces circuits profonds ont un rôle absolument majeur pour tout ce qui est mouvement automatique. C'est tout ce que vous faites sans y penser. C'est à peu près 90% de ce que vous faites dans la vie. Quand vous marchez, il n'y a pas besoin de penser que vous marchez. Ça se fait automatiquement grâce à eux. Et donc, quand ça dysfonctionne, vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Soit vous marchez, soit vous pensez. Donc l'idée, c'est de rétablir le circuit normal et de rétablir l'automaticité. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un revers de la médaille sur ce type d'intervention? Alors, le fait de poser les électrodes dans ces zones motrices nous ont fait découvrir des fonctions qui n'étaient pas connues, en particulier sur le plan émotionnel et motivationnel. Et c'est la raison pour laquelle Rennes, par exemple, a été une des équipes dans le monde qui a mis en évidence ces autres fonctions, qui sont des fonctions en fait majeures, et qui a fait que l'on a été amené à travailler main dans la main avec nos collègues psychiatres. C'est une originalité rennaise. Ouais, ça fonctionne bien. Vous avez du recul là, sur cette collaboration? Absolument. Et donc, on est une des rares équipes en France qui travaille comme ça main dans la main au sein de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, neurologues et psychiatres. Et c'est un cercle vertueux puisque cette même technique maintenant est appliquée non pas dans le domaine moteur, le maladie de Parkinson, mais aussi dans le domaine psychiatrique pour traiter des maladies qui touchent les mêmes circuits comme les troubles obsessionnels compulsifs ou la dépression sévère résistante. D'accord. Voilà. Alors, il y a une autre spécificité rennaise, c'est que vous faites un suivi à domicile. Absolument. Alors là, moi je ne suis pas breton d'origine, mais j'ai découvert la manière dont pensent et dont les bretons travaillent en intelligence. Et en fait, les neurologues et psychiatres qui suivent ces patients dans toutes les villes bretonnes savent faire les réglages et savent suivre ces patients. C'est la seule région en France comme cela. Ce qui fait que les électrodes sont posées à Rennes, mais le patient peut être suivi à Brest, il peut être suivi à Saint-Brieuc, à Vannes, à Lorient, à Saint-Malo et à Pontivy. Et là, ça permet, que les patients soient pris en charge au plus près. C'est beaucoup mieux du point de vue du confort du patient. Voilà. Sûr, et puis deux, pour le centre implanteur qui est Rennes, ça permet de prendre en charge de nouveaux patients. Sinon, il y aurait un effet boule de neige, mais on ne pourrait plus suivre les centaines de patients qui ont été opérés au fil des ans. Voilà.
Très bien, bah merci beaucoup Marc Vérin d'être venu nous expliquer les avantages de cette technique. Et puis on rappelle le site internet de l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes, l'INCR.fr. Voilà, merci beaucoup. On va maintenant passer à notre rubrique solidarité. Et on va parler de la plateforme Kengo, plateforme de financement participatif, avec deux projets que nous allons recevoir tout de suite, deux porteurs de projets. Bonjour Vincent Lanic, bonjour Valentin Duss. Bonjour. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu quels sont les projets que vous présentez sur la plateforme de financement participatif Kengo. Hein, on a l'intention de donner un petit coup de pouce à vos deux projets, des projets historiques, spectacles historiques. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, Vincent Lanic, je vais commencer par vous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre projet ? Alors, le spectacle du Son Lumière de l'abbaye de Beaurepos, pour le présenter rapidement, c'est un spectacle joué par 350 figurants sur une scène de 2 hectares avec l'abbaye de Beaurepos. Qui est dans les Côtes d'Armor. Hein, voilà, dans les Côtes d'Armor, tout à fait, effectivement, au sud des Côtes d'Armor. Donc, un spectacle vu cette année par 12 000 spectateurs, enfin l'été dernier. Et donc, ça fait 30 ans qu'existe ce spectacle. Donc, pour les 30 ans, puisqu'on les fête cette année en 2017, nous avons. Projeté depuis plusieurs années, planifier un renouveau, un nouveau spectacle qu'on voudrait monter, donc, qui est déjà sur les rails, le scénario est écrit, la bande-son va être en cours de conception. Mais on voudrait que tout ce projet soit porté finalement par tout le territoire. C'est symbolique pour nous, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui a été monté par l'effervescence humaine, par le talent des bénévoles, leur énergie, leur volonté, leur imaginaire, et qui participe à l'économie locale aussi. Et donc c'est important que ce spectacle soit porté peut-être par tout le territoire, et donc d'où cette opération de financement participatif. D'accord. Pour essayer d'aller chercher un peu de financement pour monter ce nouveau projet de spectacle. D'accord. Alors, pour avoir regardé hier soir en fait la plateforme, hein, vous êtes sur 10 000 euros demandés, vous êtes à 1 420 euros déjà collectés. Et il reste 28 jours pour votre projet, participer. Tout à fait, oui. Bon, on lance un petit appel dans ce cas. Allez-y, si, notamment tous ceux qui habitent le territoire d'Argoat, les Côtes d'Armor, les entreprises, les commerces qui peuvent bénéficier, qui ont intérêt à ce que notre spectacle à la fois perdure et se développe. De faire une petite obole. De toute façon, tous les dons sont défiscalisables, donc vous allez pouvoir récupérer une partie de votre don à hauteur de 66% pour les particuliers. Donc vous allez pouvoir déduire ça de vos impôts. Donc au final, sur un don de 100 euros, le don en fait finalement ne vous reviendra qu'à 34 euros. Personnellement, donc voilà. En plus, vous repartez avec un petit cadeau. Symbolique, certes, mais c'est le soutien aussi, surtout à une association qui œuvre au cœur de la Bretagne, qui essaye de prouver finalement qu'on, aussi dans les zones rurales, on peut monter des grandes choses et porter de grands projets, pas seulement sur les côtes. L'appel est lancé. Merci beaucoup, Vincent. Valentin, je me tourne vers vous maintenant. Alors, quel est votre projet à vous ? Projet historique également ? Projet historique ? Voilà, alors c'est également un projet de spectacle historique. Donc, il faut savoir que sur la commune de Plouvorne, dans le Finistère, il y a des spectacles sans lumière qui sont joués tous les étés depuis 30 ans. Donc, cette année également, comme l'association de Beaurepos, nous fêtons nos 30 ans. Et à cette occasion, nous avons créé un nouveau spectacle. Donc, ce nouveau spectacle retrace l'histoire de la Bretagne, environ 20 000 ans d'histoire de la Bretagne. Et pour monter ce spectacle, hein, bien sûr, donc, nous avons tous nos bénévoles derrière qui nous suivent. Nous sommes à peu près 100 bénévoles, tant au niveau des acteurs, des techniciens, des costumières. Donc pour soutenir tous ces bénévoles, nous sommes à la recherche de financement. Nous avons besoin d'un peu plus d'argent pour lancer ce spectacle. Alors, vous demandez combien ? Alors nous avons demandé une cagnotte de 2000 euros. D'accord. Donc ces 2000 euros, si nous les atteignons, ils serviront essentiellement à financer la création de nouveaux décors et la conception de la bande-son. Voilà. Alors j'ai regardé également hier, vous êtes déjà à 860 euros sur les 2000 et il reste 31 jours pour la collecte. Voilà, il reste 31 jours, donc c'est peu. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire un petit don. Pour soutenir notre initiative, ce sera à la fois nous encourager à mettre en valeur l'histoire de la Bretagne et l'histoire locale du Léon. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Valentin. Le message est passé. Et on rappelle donc le site internet de la plateforme Kengo, www.kengo.bzh. Marie-Christine, est-ce que vous êtes une adepte des projets, des,
de spectacle historique. Enfin, de j'adore spectacle tout, historique, ouais. tout ce qui fait du lien social, qui apprend la culture locale, l'histoire régionale. Là, c'est à la croisée de tout ça. Moi, je connais en fait leurs deux, pas pour y être allé, mais pour avoir fait des articles dessus. Mais comme souvent le principe des journaux, des articles, on les fait un mois ou deux avant. Et donc, j'ai eu l'occasion de traiter ces sujets-là. Je connais le site de Bon Repos, bien sûr. Et vraiment, ça, c'est des projets que je trouve magnifiques et qu'il faut absolument, absolument encourager et soutenir. Très bien. Alors, vous parlez de projet magnifique. Justement, on va raconter un peu l'histoire de votre projet et la raison aussi pour laquelle vous êtes ici. Parce que vous avez créé quelque chose d'assez étonnant. Alors, racontez-nous l'histoire. Il y a juste un an, oui, que j'ai créé cette émission de radio. Alors, c'est une émission qui s'appelle Carré VIP, mais on ne va pas dire comment ça s'écrit. VIP, mais ça se prononce VIP. VIP. Voilà. Bon. Alors, racontez-nous l'histoire. Alors, comment c'est né tout ça? En tant que journaliste, bon, je travaille pour un grand magazine féminin. Qu'on ne citera pas. Qu'on ne citera pas. Mais c'est vraiment le grand, celui de référence. Mmh. Et donc, la rédactrice en chef à Paris m'avait confié un travail. Il fallait que je trouve trois femmes en Bretagne qui faisaient tout par elles-mêmes. Une, sa déco, une, ses fringues, l'autre, ses cosmétiques. Donc, je lance mon enquête habituelle. Je trouve trois nanas qui rentraient pile poil dans le sujet, une à Morlaix, une à Vannes, une à Rennes. Je prépare mon synopsis, j'envoie ça à la chef à Paris qui me rappelle et qui me dit « Je n'en veux aucune ». Je dis « Ah bon, pourquoi ? Elles sont trop vieilles ». Elle dit « Tu plaisantes ? Elles avaient 37, 43 et 48 ans ». Je vous le jure, c'est d'accord, vrai. Nous sommes donc un plateau de vieux ici. Absolument. Ouais. Et donc ça vous a mis en colère. Vraiment. Ça m'a mis en colère. Ouais. Et comme j'ai l'habitude d'essayer de canaliser, de rendre constructif la colère, pas se contenter de pousser des cris, qu'est-ce que je pourrais faire moi à mon petit niveau pour contrebalancer, pour essayer de valoriser ces vieilles qui ont atteint l'âge canonique de 37 ans. 37 ans. Et comme j'ai fait beaucoup de radio dans les années 80, que ça reste mon outil de communication préféré, je me suis dit, j'adorerais faire une émission de radio pour valoriser ces femmes, ces vieilles. Et puis donc l'idée du carré VIP, évidemment, moi j'adore les titres un peu frappants, un peu provocateurs aussi. Donc là, le carré VIP, ça m'allait bien. Alors après, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée frapper à plein de portes de radio pour leur dire, est-ce que vous accepteriez mon projet ? Quoi, des histoires de bonnes femmes ? Non, on n'en veut pas. Ça n'avait pas été facile. J'ai même failli la faire sur une grande radio parisienne. Mais bon, le directeur s'est fait virer dans le moment où on était en train d'échanger. Donc, Et donc, qui vous a ouvert sa porte ? Qui RCF, vous a entendu ? Étienne Pépin, que je remercie là au passage, qui est le directeur de RCF Radio Alpha à Rennes, qui a eu cette bienveillance, qui m'a écouté déjà, qui m'a accordé le rendez-vous déjà. Deux, qui m'a dit OK, à quelles conditions ? Et puis trois, on commence là, à telle date. Donc, c'était il y a un an. Ça fait un an. Le principe, c'est quoi le principe de l'émission ? Alors, le principe, c'est d'inviter une VIP. Une VIP, une femme qui est vraiment importante à mes yeux. Alors, je précise parce que souvent, des femmes pensent, quand je veux les inviter, « Oh, mais moi, je suis quelqu'un de modeste, de simple. » C'est pas des personnes importantes à mes yeux. Elles sont importantes forcément pour les leurs, dans leur quartier, dans le canton. C'est pas des people. Ce sont des femmes ordinaires, mais qui font des choses. Qui s'investissent encore dans la vie professionnelle, la vie active, la vie culturelle. Elles ont atteint l'âge canonique de 50 balais et elles continuent à avoir envie, quoi. L'envie. L'envie, c'est le maître mot. Alors, justement, je vous propose qu'on vous applique le principe de votre émission, puisque vous avez choisi d'inviter une femme qui vous a marqué, touché. Ouais, on va tout de suite accueillir Anne Lemen, qui est la fondatrice de Buroscope. Bonjour, jeune femme. On va prendre le contre-pied, nous aussi, puisque c'est ça. Non, moi, j'ai carrément l'âge canonique de la soixantaine. Oh mon Dieu. Je suis une vraie VIP. Elle ne l'est pas. Est-ce que ça vous a surprise, Anne, l'invitation de Marie-Christine ? Le concept, ça vous a plu ? J'ai adoré. J'ai adoré. D'ailleurs, le mot VIP, je trouve ça très drôle, parce que c'est vrai que les femmes, nous, on parle beaucoup. Et valoriser les femmes à tout âge et tout ce qu'on fait, et toutes ces femmes, parce que quand Marie-Christine invite des personnes, effectivement, ça peut être des ouvrières d'usine, ça peut être des personnes à la retraite qui ont été secrétaires, mais qui dans leur vie ont fait des choses extraordinaires. Ou font encore des choses extraordinaires. Et qui continuent à faire des choses extraordinaires. Donc ce ne sont pas forcément des vieilles, puisque j'ai vu dans des émissions de Marie-Christine des jeunes.
il y avait des personnes de 35, 40 ans. Oui, parce donc, que c'est des jeunes, voilà. Il y a de l'intergénérationnel, deux femmes en fait, c'est ça. Qui peuvent être des jeunettes, en fait. La VIP, invite deux femmes qui peuvent être des petites jeunes. Mmh. D'accord. Donc il y a cette sorte de solidarité entre femmes. Oui, c'est d'abord ça, le... Intergénérationnel. Voilà. L'idée, c'est de se rencontrer et de partager des choses. On a toutes une envie, en tout cas, c'est de faire bouger le monde. Mmh. Que le monde soit meilleur, que le monde soit plus fraternel, plus humain. Mmh. Et je pense que c'est un petit peu ça qui font bouger les femmes que Marie-Christine... reçoit dans son émission. C'est ça qui nous unit. C'est pas le fait d'être femme, je crois. C'est le fait d'avoir envie de changer le monde. C'est plus ça, d'abord, effectivement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la ménagère de plus de 50 ans qui reste comme un cliché absolument incroyable. Vous adressez plutôt aux déménagères de plus de 50 ans. Ménagères de plus de 50 ans, évidemment. Celles qui sont oubliées par le marketing, presque, ou en tout cas caricaturées. Les autres femmes sont caricaturées. Qui sont oubliées par le marketing. Oui, c'est vrai, c'est les personnes qui, dans leur quartier, qui, dans leur famille, qui, dans leurs associations, font bouger les choses, mais dont on ne parle jamais. Alors, ça peut être... C'est des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Hein, mais là, il se trouve que Marie-Christine... Oui, il fallait faire un choix. Moi, j'ai choisi, étant femme, parler des femmes. Et puis les hommes ont un peu moins besoin d'être soutenus. Il n'y a qu'à ouvrir n'importe quel journal. On voit bien le conseil d'administration, le machin et tout. Qui était là à l'inauguration, machin, tout. Des hommes. Très bien, tant mieux. Mais il y a quand même aussi des femmes qui font des choses formidables. Et ben, je suis là pour les signaler. Vous avez fondé Buroscope, Anne Lemen. Oui, voilà. C'était difficile. Un peu folle dingue à 27 ans. Alors qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous très rapidement ce que vous faites. Je fais de la formation en bureautique, informatique et web, digital, etc. Mais au départ, j'étais secrétaire avec envie, là aussi encore déjà très très folle à 27 ans, de changer le monde et de monter une entreprise différente avec des valeurs de partage. Et donc votre ligne ? On est 28 salariés, ça se passe très très bien et c'est une belle entreprise dont je suis très très fière, surtout de l'équipe qui est extraordinaire derrière moi, avec beaucoup de femmes pour le coup. Nous avons sur 28 5 hommes, donc ça monte doucement. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est connus d'ailleurs, peut-être Marie-Christine, parce qu'il se trouve que Marie-Christine aime beaucoup tout ce qui est art. Et dans notre entreprise, on accueille tous les mois des artistes, un artiste inconnu qui met 30 ou 40 toiles sur nos murs et on le fait connaître auprès de nos clients. Donc on fait tous les mois un vernissage. Et c'est dans ce cadre-là que Marie-Christine est venue plusieurs fois. Parce que tu aimes l'art. Absolument. Et puis en plus, j'ai découvert ainsi que Anne était la femme d'un homme délicieux que je draguais depuis des années, sans savoir qu'il était déjà marié. Ah, carrément. Carrément. Elle vous fait une révélation. Carrément. Alors, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, puisque Jean-Marie tenait plein de bistrots. Je suis une adepte du bistrot. Ah, voilà. Et que j'ai vu beaucoup de belles femmes, comme Marie-Christine, mon mari, qui est là. Bonjour mon petit lapin, bonjour ma puce. Donc voilà. Ah, oui, ma puce. Il ne faut pas être jalouse. Hein. Bon, mes petits lapins, on va juste donner. Le nom de l'émission, hein, donc Carré VIP, c'est tous les... C'est un mercredi sur 2 à 11h et à 20h Radio sur Alpha. RCF. Et il y a une codiffusion sur le site web rennaisunidiver.fr. Très bien. Et donc, on rappelle la fréquence de Radio Alpha, 96.3 à Rennes. Tout à fait. À tout à l'heure, Marie-Christine. Merci beaucoup, Anne. On va passer maintenant à notre rubrique culture avec le ticket culturel. Et on reçoit tout de suite Sabine Marie Murgue et le conservateur du Musée des Beaux-Arts de Rennes, François Coulon. Bonjour Sabine, bonjour François, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes à côté d'une adepte de l'art, alors je pense que ça va bien coller. On se connaît depuis le précédent millénaire. D'accord. Oh. Sabine, dites-nous tout. Donc vous êtes conservateur au Musée des Beaux-Arts de Rennes. On passe souvent quai Émile Zola devant ce grand musée et on s'y arrête rarement. Dommage. Et pourtant, il y a des trésors vraiment inestimables à découvrir, notamment ceux réunis dans ce fameux cabinet de curiosité. En 2012, pour la première fois, vous ouvriez ses portes public. Retour en images, un reportage de Géraldine Delasalle. L'ensemble est excellent, je suis bluffé, rien que par l'odeur déjà, et l'atmosphère et l'ambiance, c'est déjà très prenant. C'est la première fois qu'on visite le cabinet des curiosités. Et on avait vu une petite statue imitation jade que nous cherchons, qui vient de Chine, voilà. Et oui, monsieur de Robien, vos objets n'ont pas disparu. Le musée les a bien conservés.
Pendant 40 ans, vous les avez précieusement rassemblées, ces curiosités, alors que ces cabinets étaient, dit-on, déjà passés de mode. Mais qu'importe, vous étiez un collectionneur effréné. Après, il a été numismate aussi, il a fait des collections d'histoire naturelle extraordinaires, bon, qui ont hélas disparu, mais il a fabriqué un cabinet de curiosités à une époque où ça ne se faisait plus. Et à mon avis, c'est plutôt la preuve d'une démarche tout à fait personnelle et originale de sa part qu'une preuve d'archaïsme. La voilà. Couleur jade. Je la voyais toute petite, en fait, elle est assez grande, donc c'est vraiment chouette de voir en vrai. Hein. Voir en vrai ces objets chinois, égyptiens, italiens, certains de vos contemporains et d'autres d'un lointain passé, vous aviez décidé. Monsieur de Robien, des goûts très éclectiques et même parfois cocasse. Oui. Il y a quoi ? Ah, les choses sont intéressantes. C'est une curiosité ? Ah, c'est très curieux, en effet. On voit pas ça tous les jours. Et la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut. La preuve, avec ce cabinet désormais ouvert au grand public, il faut même parfois en abuser. On a envie d'en abuser, c'est clair. La curiosité, ouais. Donc c'était la particularité hein, de ce fameux collectionneur Christophe-Paul Robien. C'était un vrai récupérateur, hein, avant l'heure. Alors, cet aspect récupérateur est en effet tout à fait original de sa part, mais il était original sur bien des points, parce que c'est un parlementaire qui doit s'ennuyer dans ses séances au Parlement où il va la moitié de son temps, et l'autre moitié, il la consacre à des fantaisies, puisqu'il a une lionne au fond de son jardin à Rennes, donc il faut quand même imaginer le personnage, et il va... Oui, une lionne, une vraie lionne. Et donc, il va collecter comme ça des objets qui viennent du monde entier pour faire ce cabinet qui est plutôt la preuve d'une aptitude à s'ouvrir, à s'intéresser et à collecter des objets qu'il va classer selon son propre ordre subjectif à lui et non pas selon des classements qui vont faire florès après les années 1750 et qui vont être déjà presque normés d'une certaine façon. Non. Oui, parce que les cabinets de curiosité, en fait, ça a été créé à la Renaissance, hein, c'est ça. Comment... C'est un petit peu plus tôt, déjà à la fin du XIVe siècle, on a déjà des cabinets de curiosité, mais ce sont des cabinets qui sont princiers. Là, le caractère exceptionnel, c'est d'avoir un cabinet qui est provincial, qui émane d'un aristocrate local. Et donc, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Je ne pense pas me tromper en disant que c'est le seul cabinet de curiosité d'un amateur qui soit encore conservé quasiment intact en Europe et donc dans le monde, puisque c'est un phénomène occidental, essentiellement. Et alors, comment il trouvait ces objets ? On s'imagine un grand voyageur qui parcourait le monde à cheval, en train de faire des découvertes pas possibles. Oh, oui, on aimerait bien ce cliché de Christophe Paul de Robien embarquant à l'Orient pour Pondichéry aux Indes, mais non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a un réseau, qui a une parentèle, donc il a des cousins un peu partout, et puis il a des terres aussi, à droite, à gauche, en Bretagne. Donc, il laisse des lettres, des consignes, et en fait, on lui ramène de Saint-Malo, de Morlaix, de Brest et de l'Orient, des œuvres qui viennent du monde entier. Et comme il a des terrains, effectivement, en Bretagne, à Locmariaquer, à Quintin, aussi dans le pays Vannetais, eh bien, il fait organiser des fouilles archéologiques et le produit de ces fouilles archéologiques arrive dans son cabinet de curiosité. Et donc, voilà, c'est un homme qui est d'une curiosité, effectivement, insatiable. Et qu'est-ce qu'il trouvait alors, dans ses jardins Essentiellement de l'archéologie romaine, ce qui est tout à fait exceptionnel et très recherché, puisque quand vous êtes en Italie ou sur le pourtour du bassin méditerranéen, il n'y a qu'à creuser dans le fond de votre jardin, vous tombez tout de suite sur des tessons. En Bretagne, c'est quand même plus rare. Donc là, ça a un caractère tout à fait exceptionnel pour lui. Il est vraiment heureux. D'ailleurs, il fait rajouter des boucles d'oreilles à ses statuettes en bronze romain. C'est un esthète. Voilà, complètement. Mais le cabinet de curiosité fonctionne à l'esthétisme. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans du bric et de broc de l'éclectisme qu'à un moment donné, il faut trouver un ordre. Et cet ordre, c'est souvent un ordre esthétique. Donc vous faites de la symétrie, de la frontalité, des pyramides. Donc ce sont des critères un peu esthétiques, comme des panoplies qu'on trouve encore dans les magasins. C'est cette même logique. Alors, quels sont vos objets ou œuvres coup de cœur ? Vous pouvez nous en décrire certaines ? Il y en a beaucoup, beaucoup, mais si je devais en retenir deux ou trois, il y a évidemment un petit peu le symbole du cabinet, qui est ce fameux nautile gravé, qui est à cheval, puisque ça c'est vraiment le critère du cabinet, c'est d'être en dehors des catégories. Vous êtes dans de l'écart, dans de l'entre-deux. Donc vous avez ce nautile gravé qui est donc un coquillage, qui est à la fois une merveille naturelle, mais qui a été donc sculpté par là des artistes flamands du début du XVIIe, et donc ça devient une merveille artificielle. Donc vous êtes dans l'entre-deux. C'est un d'ailleurs au fur et à mesure des siècles, il a été tantôt classé dans les naturalia, dans l'histoire naturelle, tantôt au contraire dans les objets d'art.
Donc il y a ça, il y a aussi, je pourrais parler... Une statuette chinoise, c'est étonnant là que... Oui, alors il y a ces fameuses statuettes, donc c'est fait en Chine depuis l'époque Song, depuis le 9e siècle, et ça se fait d'ailleurs toujours actuellement. Alors c'est aussi un objet tout à fait typique du cabinet, puisque vous êtes dans de l'entre-deux encore, hein, puisqu'il suffit, c'est le test de Rorschach d'une certaine façon, vous avez une racine de bambou qui est polie, et puis il y a des excroissances, des anfractuosités qui peuvent laisser penser qu'on a un visage qui se dessine, et il suffit juste de l'accentuer pour arriver à l'expression d'un visage. Et donc c'est toute la poésie des objets naturels qui recèlerait un sens. Hein, cette quête du sens, elle est sous-jacente en permanence dans le collectage des objets de cabinet. Hein. Produire du sens. Ah oui. Vous en aviez une dernière, la argentée, statuette argentée, oui. Inca. Alors c'est un objet qui est plus intéressant que beau, hein. Il faut bien le reconnaître, mais c'est un objet qui est très intéressant parce qu'on a découvert seulement il n'y a pas très longtemps qu'en fait il s'agissait d'un véritable objet de culte péruvien, puisqu'on a souvent pensé, on s'est dit, oh, c'est un truc qui est tellement bricolé que ça doit être reconstitué en Europe, c'est pas possible. Et puis en fait, pas du tout. Il y a deux masques l'un sur l'autre, deux masques Moche, et donc c'était véritablement un objet de culte qui a servi et qui a été ensuite réapproprié par les Incas au moment où les Moche ont été conquis par les Incas. Donc en fait, on a une statuette qui est là aussi ambivalente, qui servait des cultes lunaires et qui a été incaïsée pour des cultes solaires, d'où ces rayons un petit peu de solaire que l'on voit sur le plastron et puis aussi des petites références au soleil. Eh bien, merci François Coulon. Il ne nous reste plus qu'à visiter, à regarder, à faire un beau voyage dans ce cabinet de curiosité. Et n'oubliez pas que ce musée, maintenant, vous pouvez y accéder entre midi et 2h. Donc, une petite pause voyage, c'est très bien. Eh bien, merci François Coulon. Merci beaucoup Sabine. Merci François. C'était passionnant, vraiment. Alors maintenant, je vous propose de prendre un petit bol d'air, puisqu'on a passé un peu de temps dans le musée. Et on va partir tout de suite direction de Lorient avec un reportage de Catherine Carrier et Yannick Charles consacré aux liaisons maritimes. Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Toute cette semaine, nous allons prendre le large chaque jour avec une destination différente. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient, la ville aux cinq ports. Alors forcément, il est toujours question ici de bateaux et de traversées. Pas forcément de traversée de l'Atlantique, non. Je vous propose même juste la traversée de la rade, car ici, on prend le bateau comme on prend le bus. En fait, l'agglomération a souhaité, dès 2008, devenir autorité organisatrice des transports, y compris pour le transport maritime, puisque celui-ci connaissait un essor important et qu'on était dans des logiques d'aménagement du territoire avec la continuité d'un service public de transport. Autrement dit, les lignes terrestres de bus venaient en complément du transport maritime Transrad. Comme des métronomes, quatre navettes régulières sillonnent la rade toutes les demi-heures. Mais c'est la ligne entre Locmiquélic et le Quai des Indes à Lorient qui est la plus fréquentée. La ligne des pendulaires, avec principalement des salariés et des scolaires. Pour 1,45€, ils peuvent prendre le bus, le bateau et le vélo en prime. Je prends mon vélo parce que je trouve que c'est agréable de se balader. Puis éviter surtout de prendre la voiture et de faire tout le tour. C'est comme ça. Ça fait pas longtemps que j'habite ici, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Jean-Michel est mécanicien, il s'occupe de tout, des passagers et du fonctionnement du bateau électrique qu'il recharge à chaque escale pendant quelques minutes. Là, on est chargé à 100%. Là. Et c'est reparti pour 7 minutes de traversée. 400 000 passagers empruntent cette ligne chaque année. Jean-Michel ne connaît pas tout le monde, mais presque. Et la semaine prochaine, je passerai pour voir. D'accord. Je vous dirais, certains passagers, en fait, c'est des habitués. Ils sont là, je veux dire, ça fait 12 ans que je suis là, ça fait 12 ans que je les vois passer, donc on finit par lier d'amitié et tout ça, quoi. L'ambiance qu'il y a sur le bateau, on le trouve nulle part ailleurs. Mais va dire, qu'est-ce que tu foutais dans ton bateau ? J'ai ma maison qui est à 50 mètres du port à Penmanet et mon bureau qui est à la sous-préfecture à 200 mètres de l'autre côté. Donc je viens manger entre midi et deux et je repars pour ma permanence de l'après-midi. Lorsque je vais en centre-ville, c'est vrai que je prends le bateau, c'est quand même plus pratique et au moins pour se garer, il y a moins de difficultés, on va dire. Et puis c'est agréable aussi de prendre le bateau pour aller au centre-ville. Vous prenez le bateau quand ? Le matin à 7h30 et le soir, la plupart du temps à 15h30. Vous n'avez pas un autre moyen de locomotion ? Si, il y a un bus scolaire, mais il est beaucoup plus tôt et puis il est beaucoup plus long le trajet. Il est 40 minutes de bus. C'est
c'est comme ceux qui prennent le métro à Paris, à peu près. C'est pas le même cadre. Non, mais c'est la routine. Un peu la routine pour certains, mais il n'empêche. Voir le coucher de soleil en revenant de sa journée de travail, ça peut quand même faire rêver. Christophe Plevert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le capitaine de ce bateau. Eh oui. Vous, ça fait combien de temps? Depuis 2004, je suis capitaine, comme vous dites ici, sur le bateau. On dit bien capitaine, hein? Ouais, ouais. On dit capitaine, ou patron aussi, on dit. Et vous préférez? Non, ça m'est égal, ça m'est égal. Est-ce que vous devez vraiment négocier avec la marée? Comment ça se passe? C'est plus avec le vent. Avec le courant, ça va encore. Non, on gère assez bien, mais c'est surtout le vent qui est handicapant ici. Ici, et puis bon, port de pêche. Port de pêche, c'est vrai que c'est le courant qui est un peu embêtant. Et Penmanet, on a les deux. On a et le vent et le courant qui nous embête. Mais bon, comme tout le monde, comme toujours, il faut toujours faire avec, hein, ce qu'on nous donne. En fait, il y a très souvent des manœuvres parce que le temps de navigation est relativement court. Bon, 8 heures, on accoste tous les quarts d'heure. Quoi. Et vous me disiez que là, c'était inversé, donc les commandes. Ouais. Mmh. Ça doit pas être évident au départ, non? Non, au départ, ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est, ouais, faut apprendre. Hein. C'est comme si vous étiez en vélo et pour aller là-bas, faut faire comme ça. Normalement, autrement, c'est facile après à manœuvrer. Une fois qu'on a pris le coup, c'est instinctif. Ça, voilà, on fait pas gaffe aux aiguilles, on laisse. C'est l'instinct qui fait. Enfin, il y a plein de rétros quand même. Ah ouais, 4, ouais. De chaque côté. Ah bah, c'est pour reculer. Non, c'est vrai. Et puis voir en bas, parce que comme le. La passerelle du bateau est un petit peu trop en avant pour voir les gens qui montent et qui descendent. Les rétros correspondent aux portes d'entrée. Quoi. Mmh, ouais, c'est délicat quand même. Il fait combien de longueur le bateau? 22 mètres. Ouais. Ça a dû être drôle la première fois, non? Ah ben oui, la première fois, je peux vous dire que vous jouez pas malin. J'imagine. Quand on est en doublage, ça va. En doublage, on sait toujours que le gars qui est là, qui vous apprend le métier, quoi. Mmh. Ah, s'il y a un souci, hop, il prend les manettes. Quoi. Mmh. Mais quand vous vous retrouvez tout seul, jour de main, avec, vous savez que vous avez le même bout, puis tout le monde. Il y a des passagers. Tout le monde vous connaît. Et ils regardent en haut. Alors. Il suffit que vous tapez un peu dans le quai, ben, tout le monde a le visage en haut. Et on a... Là, vous accostez, c'est le moment difficile? Ouais, faut un petit peu de concentration, c'est tout. Je vous laisse. Alors forcément, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de touristes. En revanche, l'été, c'est vraiment l'affluence. D'ailleurs, une liaison supplémentaire est mise en place pour faire le tour de la rade en une heure. Une véritable petite excursion, pas très chère, donc pour 1,45€. Et puis, histoire, eh bien, tout simplement, de croiser d'autres croisiéristes. Et dans les années 60, les paquebots de croisière ont commencé à jeter l'ancre dans le port de Lorient. En 1964, c'est un paquebot suédois avec à son bord 450 passagers américains qui accoste. Des touristes qui tombent sous le charme du littoral et des costumes traditionnels bretons. Maintenant, ce sont surtout les Anglais et les Allemands qui viennent faire une escale à Lorient, avant ou après être passés à Belle-Île ou à Bordeaux. Et Lorient accueille d'ailleurs toujours davantage de croisiéristes pour l'année prochaine, en 2017. 9 navires ont déjà pris date pour faire une escale ici. Allez, pour notre part, on va continuer notre toute petite croisière en rade de Lorient. Ça fait du bien, cette petite dose d'iode. On avait l'impression d'être sur le bateau. Hein, tout à fait, j'adore en plus ce site de Lorient. Ouais, c'est très très joli. Alors, on va faire un petit voyage virtuel, nous, hein, en Chine. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est l'heure de maintenant de votre portrait chinois, Marie-Christine Biette. Mm-hmm. Alors, si vous étiez une fleur, dites-moi tout. Ce serait la pivoine. Pourquoi? Je trouve que sur le plan esthétique, c'est une merveille. En plus, elle a cette fragilité, elle a toujours des couleurs sublimes, très subtiles, et puis un caractère provisoire, ça ne dure jamais très longtemps. Moi, j'en ai mis dans mon jardin, mais souvent, je reviens le week-end et hop, ça y est, elles ont fleuri, elles sont déjà mortes. Il y a quelque chose d'extrêmement fragile, d'une beauté totale pour moi. D'accord. Si vous étiez un moyen de locomotion, Marie-Christine? Oh ben, sans hésiter, le vélo. Le vélo, oui, c'est, on dirait presque le mien. Le vélo, parce que c'est écolo. Parce que c'est très convivial, c'est quand même le rare, un des rares outils de transport qui permettent de parler d'un vélo à l'autre. Quand on est au feu rouge, on se parle entre cyclistes, ce que ne font pas les automobilistes, bien sûr. C'est plus compliqué. Ah si, ils s'insultent, mais bon, ça... C'est un autre type d'échange, voilà. En voiture. Si vous étiez un tableau,
Ah, Mathurin Méheux. Oula, sans hésiter. Ah, c'était oui, oui. Un coup de J'ai cœur. Pourquoi ? Une grande passion pour ce peintre breton né à Lamballe, qui a son musée là-bas. Il y a un trait d'une vigueur incroyable. Il y a eu cette vie, ce voyage autour du monde. Là, il était au Japon quand la guerre a été déclarée, ce qui l'a fait revenir plus rapidement que prévu en France. Et il a couvert aussi la Première Guerre mondiale avec d'autres contemporains comme Le Mordant, etc. Et il y a un trait dans le travail de Mathurin Méheux, mais qui m'interpelle. Quoi. C'est que j'entre dans une pièce ou dans un musée où il y a un Mathurin Méheux, hop, tout de suite, je vais vers... C'est la traduction du mouvement qui vous fascine. Ouais. Ouais. Joli choix. Alors, si vous étiez une chanteuse, Christine... Oh, j'aurais tellement aimé être Juliette Gréco. Oh, ça vous va bien. Vivre quoi ? Pour vivre comme elle ? Juliette Gréco, parce qu'elle elle incarne toute cette période magnifique là, de libération dans tous les sens du terme. C'est après la libération, après la Deuxième Guerre mondiale, le Paris libéré, comme disait le général. Et toute cette folie qui s'est emparée des gens qui ont eu envie de s'adonner à la musique, à l'art, à la littérature. Cette connexion qu'elle avait entre le monde de la littérature et les artistes, les musiciens et tout ça. Sa vie me fascine complètement. Et si je devais changer la mienne contre une autre, ce serait la celle de Juliette Gréco. Ouais, bon, ça ouais. va, la barre est haute quand même. Un peu, oui, c'est vrai. Allez, si on termine avec ça, si vous étiez un livre. Ah, je vous emmène sur les routes de Samarcande. Ah. Samarcande, un de mes ouvrages fétiches d'Amin Malouf, immense écrivain libanais qui porte toute cette culture arabo-musulmane. Et puis donc Samarcande, c'est sur la route de la soie. Moi qui suis une grande voyageuse, donc qui me suis nourrie quand j'étais jeune du livre de Marco Polo, le livre des merveilles. Et Samarcande, donc c'est cette étape mythique de rêve entre Venise et Xi'an. C'est un livre aussi qui porte toute cette difficulté à la réflexion et à les problèmes qu'ont eu les penseurs du monde arabo-musulman déjà il y a 1000 ans. Et ça a été le cas d'Omar Khayyam qui est évoqué dans ce livre, Samarcande. Vous êtes une grande voyageuse, Marie-Christine, une citoyenne du monde. Je le revendique, oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que vous êtes sportive ? Assez. On va voir ça tout de suite. Oui. Je vous propose d'accueillir Hugo Mamba, notre coach sportif. Bonjour Hugo. Alors bonjour. Moi, ça y est, moi je sors les baskets, alors c'est parti. Alors, dites-nous tout aujourd'hui. On a pris tous la bonne résolution, évidemment, de se remettre au sport hein, le 1er janvier. Bon, on ne l'a pas tous tenu, là je dis ça pour moi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits conseils pour bien attaquer cette année en forme ? Oui, bien sûr, Laurence, chronique qui tombe très bien après cette période de fête où je suis certain culpabilise un petit peu. Et alors, disent... pas du tout. Et si je me refaisais une petite santé, donc l'objectif va être assez rapidement de donner les conseils qui vont être essentiels pour une reprise en douceur et surtout en respect de son intégrité physique. Donc le premier point, ça va être l'équipement. Donc si vous n'avez pas eu de cadeau de Noël vous permettant de courir de façon efficace comme Laurence, et ben, il faut savoir que la paire de baskets et l'équipement adéquat va être primordial. Déjà parce qu'on aime bien avoir une tenue confortable, flashy, etc. Donc rendez-vous tout de suite chez un équipementier sportif pour avoir la paire de baskets qui va vous permettre de débuter l'activité. Okay. Après, le deuxième point, le contenu de séance. Qu'est-ce que je fais ? Donc on va opter pour du fractionné, donc alterner course et marche au début pour une reprise en douceur. Donc je conseille moi 5 minutes de course, 1 minute de marche active pour atteindre 30 minutes. C'est bien. Vous êtes convaincu ? Moi ça me va. Pas mal. Troisième point, alimentation et hydratation. Donc je ne cours pas à jeun. Très important, parce que souvent on se dit, voilà, j'ai à jeun, ça va me permettre de perdre du poids assez rapidement, c'est faux. Et surtout après, bien prendre le temps de manger, de s'hydrater et de dormir. Là, on vient d'aborder le quatrième point qui est celui de la récupération. Alors, et comment enfin, récupérer Oui, comment récupérer, c'est est-ce ça, faut bien manger. Est-ce qu'il faut s'étirer après Oui, il faut s'étirer, mais pas tout de suite après. Alors combien de temps après ? Une heure et demie à peu près, ou le soir, ou le matin au réveil. Mais et ça, pareil, c'est une idée reçue. Il ne faut pas s'étirer juste après, il faut attendre, laisser le corps se reposer un peu. Disons que si on s'étire juste après, il ne faut surtout pas chercher la douleur, parce qu'on risque de casser davantage de fibres musculaires, sachant qu'en courant, on en a abîmé un petit peu, surtout quand on est débutant et qu'on reprend. Okay. Donc en gros, voilà. Un point qui va être aussi, et également important, ça va être la condition physique. Donc pour reprendre le running, il faut quand même penser à l'aspect musculaire.
pour protéger ses articulations, etc. On va faire un petit peu de renforcement musculaire, du gainage également, surtout pour les dames, parce que ça se coupe pas mal au niveau des organes quand on se met à la course à pied. Il va falloir travailler le transverse pour, entre guillemets, prévenir les descentes d'organes, par exemple, qui sont très fréquentes chez les personnes qui reprennent le running de façon anarchique. D'accord. Donc, en gros, voilà les principaux points qu'on vient de brosser assez rapidement. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, voilà, on est prêtes, hein, Marie-Christine. On va chausser les baskets juste après l'émission. Je vous propose qu'on aille courir ensemble. Avec plaisir. Maintenant, on va demander à Valérie Chopin si elle est une grande sportive. Elle nous rejoint pour l'instant actu. Bonjour Valérie. Il dit grande sportive, grande sportive. Ah bah, bonjour, voilà, on a une réputation à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon. Alors de quoi va-t-on parler dans nos JT aujourd'hui, Valérie? Alors on parlera déjà de biotrial. Cela fait un an exactement que le laboratoire Rennais se retrouvait malgré lui sous les feux des projecteurs. Mmh. Malgré lui, justement, les enquêtes sont en cours. Le 17 janvier 2007, je vous le rappelle, Guillaume Molinet décédait suite à un essai clinique mené par cette société. 5 autres volontaires étaient hospitalisés au CHU de Rennes. D'où en sont les différentes enquêtes? Eh bien, justement, nous ferons le point aujourd'hui, d'autant que la femme et le frère de la victime font une conférence de presse ce matin à Paris et qu'on vient d'apprendre qu'une autre enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris. Elle s'intéresse, elle, aux causes d'un AVC qu'un autre volontaire a subi 2 mois avant le décès, justement, de Monsieur Molinet. Reprenez votre souffle. J'ai couru, là, voilà. Il ne faut pas courir en arrivant sur le plateau. Alors, il sera aussi question du port de Brest où du maïs reste bloqué. Exactement. Il est question, là, de 25 500 tonnes de maïs traitées avec un pesticide hautement toxique qui a été débarqué dans le port de Brest. C'était mi-décembre. Depuis, eh bien, les quantités de maïs sont toujours dans le port de Brest. Elles ont été ventilées pendant 3 semaines, mais elles sont toujours stockées. On fera le point, justement, sur ces quantités de maïs pour savoir, effectivement, quelle est leur nocivité et qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, on parlera également d'oiseaux dans nos JT. Oui, des fous de Bassan et des macareux moines, plus exactement. Ces oiseaux emblématiques de la réserve naturelle des 7 îles dans les Côtes d'Armor sont de moins en moins nombreux. Les macareux sont même menacés d'extinction. Alors qu'il y a dans ce coin justement des Côtes d'Armor, eh bien une colonie très spécifique en France. La pêche environnante n'aurait pas que des effets positifs. Les explications dans nos éditions. Merci beaucoup Valérie. Donc on vous retrouve ce soir à 19h et ce midi, ce sera Éric Pinault. Non, ce sera Fabrice Leroy. Ah, ce sera Fabrice Leroy. Bon, bah, très très bien. D'accord. Parfait. L'autre. Marie-Christine, par rapport à l'actualité, est-ce que vous avez... Vous suivez, vous, beaucoup l'actualité en tant que journaliste? Énormément. Je suis une accro. Je ne vais jamais me coucher sans regarder les infos France 3 le soir, France 3 Bretagne, à 22h30. Enfin, j'attends toujours. Et c'est vrai, je ne dis pas ça pour flagorner. Vous avez le droit de rester dans ces cas-là. C'est bon, on vous garde. Mais non, j'ai été très, très marquée par ce que vient de dire. Là, l'histoire des macareux des 7 îles, moi, je croyais que c'était une colonie qui prospérait. Et donc, je suis navrée d'apprendre que ce n'est pas le cas. Ouais. Et puis, le maïs à Brest, ça. C'est quelque chose aussi qui me touche énormément, cette question des OGM, enfin de cette nourriture là qu'on essaye de nous imposer avec le multinational. Et ça, je suis fermement aussi, je suis en colère aussi contre ça. Vous êtes toujours en colère, en fait. C'est ça, mais c'est bien, ça maintient en vie. Et vous, Hugo, sur l'actualité, vous la suivez beaucoup? En faisant des étirements, peut-être, devant la télé. Pas sur France 3 Bretagne, mais à partir d'aujourd'hui, je vais être aussi assidu à 22h30 le soir. La télé chez moi, Hugo. À 12h et à 19h également. Voilà. France 3 Bretagne. On a gagné encore un téléspectateur. Magnifique. Ça y est. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci en régie. Merci à toutes les personnes qui ont préparé également. 9h50 le matin Bretagne. On se retrouvera jeudi, 9h50. Notre invité fil rouge, ce sera Brigitte Chevet, la réalisatrice d'un documentaire sur la centrale de Brennilis. Et puis nous parlerons bien évidemment des documentaires qu'elle a ensuite réalisés. Nous aurons des archives INA sur Brennilis également. Voilà, on vous retrouve avec grand plaisir. N'oubliez pas, 9h50 le matin, c'est la bonne heure pour la bonne humeur. Bonne journée à tous. Merci. Bon.
Bonjour les amis, dans une ambiance de feu ici au château de Fontainebleau, on visite la Seine-et-Marne et tous les alentours de Paris avec Alain Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles, et avec Pierre Kaliak et son chien Gérard Depardieu qui parle russe. Salut Gérard. Oui, il nous le dira tout à l'heure, dans quelques secondes sur France 3. Coupe de la Ligue, quart de finale en direct sur France 3. Au PSG, il est temps de remettre les pendules à l'heure. À Metz, premier des relégables, fol espoir d'un exploit en terre ennemie. Rien de tel qu'un coup de folie pour créer la première surprise de l'année. PSG-Metz, le quart de finale de tous les dangers, demain à 20h55 en direct sur France 3. Coupe de la Ligue avec Parion Sport. Ce match vous est présenté par Triangle Intérim. Comment ça va tes cours de chimie ? Super, Consumer Classroom m'a bien aidé aujourd'hui. Consumer Classroom ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un site d'éducation à la consommation responsable. Et ça t'aide à travailler la chimie ? Mais oui, les questions de consommation sont présentes dans toutes les matières. Consumer Classroom est un site destiné aux professeurs du secondaire des 28 pays européens pour les aider à enseigner les questions de consommation à leurs élèves afin qu'ils deviennent des consommateurs éclairés. Consumer Classroom, c'est une plateforme collaborative et interactive faite par des enseignants pour des enseignants européens et qui va leur permettre d'avoir accès à des ressources pour aider à former leurs élèves à la consommation responsable. Une fois par an, les classes sont invitées à participer à un concours interscolaire. Pour concourir, deux classes européennes doivent s'associer. Cette année, on a choisi l'énergie comme le sujet de ce projet. Ça peut être un site web, ça peut être une vidéo, ça peut être un projet de communication. Tout l'intérêt du concours interscolaire est la collaboration entre plusieurs pays et l'échange de bonnes pratiques. La beauté du Vision européen, c'est exactement ça, que chacun importe leur culture et leurs connaissances. Et ce qu'on va voir d'un projet interculturel, c'est comment dans deux pays différents, on peut avoir une approche tout à fait commune ou une approche tout à fait différente où on apprend l'un de l'autre. Un voyage à Bruxelles avec visite des institutions européennes sera offert à l'équipe lauréate. Pour s'informer sur ce projet, allez sur le site www.consumerclassroom.eu. Consumer Classroom est un site interactif qui permet aux enseignants des classes secondaires de trouver des outils pédagogiques sur l'éducation à la consommation. Tous les professeurs d'Europe sont invités à créer un projet innovant avec leurs élèves afin qu'ils soient des consommateurs responsables. Encourager les échanges entre les écoles permet de mieux comprendre l'approche des différents pays européens sur les sujets de consommation. D'une personne sur trois saigne lors du brossage. Si vous ne le traitez pas, cela peut conduire à des problèmes plus graves. Parodontax aide à arrêter le saignement des gencives et à éliminer les bactéries de la plaque dentaire pour des gencives plus saines. Dorénavant, ce que vous verrez, c'est ça. Parodontax, dispositif médical. Disponible en pharmacie et parapharmacie. Découvrez le nouveau Montescalier Vital. Facile à utiliser, confortable et très sécurisant, le Montescalier Vital bénéficie des perfectionnements les plus récents. Renseignements et devis gratuits au 0800 490 490 ou sur primavital.fr. N'oubliez pas, votre Montescalier, c'est vital. Aujourd'hui, une dépression polaire envahit notre pays. On grelotte à l'ouest, on grelotte à l'est et on frissonne partout ailleurs. Bébé, elle est bien froide cette carte. Elle te ferait pleurer une cigale. Eh les copains, vous auriez pu forcer un peu sur le jaune. Vous allez me le déprimer là. La Salvetta, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Nouveau format, 50 centilitres. Maintenant, le sud existe aussi à emporter. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques à Viva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. J'ai appelé le 0800 450 450. La couverture est immédiate, sans examen médical. Et le capital est envoyé sous 48 heures. Sous 48 heures ? Oui. Ils ont même prévu une assistance pour les proches. Ah, Martine ! Je reviens ! Appelez vite à Viva au 0800 450 450 pour recevoir une documentation gratuite et ce magnifique cadeau. 0800 450 450. Allô, Aviva ?
Vous voulez perdre du poids? Alors c'est le moment d'essayer Comme J'aime. Vous pouvez tester une semaine sans payer. Oui, oui, sans payer. Si on a besoin de perdre du poids, c'est l'offre à ne pas rater. Avec cette offre, je me suis dit que j'avais rien à perdre, à part mes kilos. Le fait de tester sans risque, ça m'a permis de me lancer et voilà le résultat. Alors, je crois que vous n'avez plus d'excuses pour repousser. Contactez-nous au 0800 03 03 03, car vous pouvez tester une semaine sans payer. 0800 03 03 03. Comme J'aime, souriez à la vie. Même hôtel, même prix. Non. Pour une même chambre, il y a tellement de prix différents. Trivago les compare tous et vous aide à trouver l'hôtel idéal au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Salut Salon, un quatuor drôlement virtuose et terriblement séduisant. Salut Salon, à l'Olympia le 24 janvier et en tournée dans toute la France. Vous avez une passion. C'est là que vous puisez votre inspiration. Et elle transparaît, même quand vous vous y attendez le moins. Vous savez ce que vous voulez, et nous vous aidons à le réaliser. 500 cartes de visite standard à 12,99€ en indiquant le code promo TV500 sur vistaprint.fr. Vous voyez pas la différence? C'est normal, il y en a pas. Et pourtant, c'est 10% moins cher. On est passé chez Direct Energy. Mais nous aussi, en 5 minutes, on est passé chez Direct Energy. Mais il y a 2 ans. Avec Direct Energy, économisez jusqu'à 10% sur votre électricité et votre gaz. L'argent sera sur mon compte d'ici la fin de la semaine. J'ai même pas eu besoin de faire le contrôle technique. Le paiement est très rapide et sécurisé. Vendez votre voiture. L'estimation en ligne facile et gratuite. Prenez rendez-vous dans l'une de nos agences. Vendez rapidement et en toute sécurité. Visitez le site vendezvotrevoiture.fr. Simple, rapide et efficace. Oh les femmes, ça me complique la vie là. Ça c'est le bouquet. Écoute, je t'en prie, je suis fatigué, tu me feras une selle demain. Découvrez la nouvelle douche sécurisée Vital, facile d'accès grâce à son seuil ultra plat, siège confort intégré, poignée de maintien pour votre totale sécurité. Renseignements et devis au 0800 490 490 ou sur primavital.fr. N'oubliez pas, votre douche sécurisée, c'est Vital. Vladimir Cosma pour la première fois en tournée. De Rabbi Jacob à La Boum, en passant par Le Grand Blond, L'As des As et Diva, Vladimir Cosma revient sur scène avec ses plus belles musiques de films. Pour fêter 50 ans de succès, Vladimir Cosma dirigera un grand orchestre philharmonique, des solistes et des chanteurs exceptionnels à l'occasion de 10 concerts événements dans toute la France. Vladimir Cosma au Palais des Congrès de Paris le 9 octobre et en tournée en février 2017. Ce programme sera diffusé en audio description. Inédit. Nicole Garcia, Louise Bourgoin. Bonjour maman. Tu t'es coupé les cheveux? Il y a 5 ans. Autant? Mais oui, le temps passe vite. D'après l'œuvre de François Mauriac. On se connaît pas beaucoup, mais je te comprends. Qu'est-ce qu'on te dit sur moi? Pas grand-chose. Je suis pas quelqu'un de bien, Marie. Une mère peut-elle tout dire à sa fille? T'étais innocente. Une fille peut-elle tout entendre? Nicole Garcia et Thérèse Desqueyrou dans La fin de la nuit. Ce soir à 20h55, sur France 3. Installez-vous confortablement devant votre fiction avec Imola, canapé et fauteuil de relaxation. France 3.